qualifiait la Ligue de défense juive d'ado attardé, d'adolescent attardé. Ah ouais. Ouais. Mais j'ai pas dû qualifier ça. J'ai dû dire ado attardé encadré par des fascistes, non? Non, parce que même donc, pas. Parce qu'alors, alors voilà, on est à l'antenne là. Il va le dire. Il y a toujours eu dans les organisations de Nervi, quelle que soit leur obédience, quelle que soit leur coloration irlandaise, polonaise, musulmane, juive, etc., ce phénomène d'ado paumé. Je pense pas que j'ai dit ado attardé. Si. Boutonneux. Ouais, alors d'ado boutonneux. Vous écoutez? Je vais pas y arriver. D'ado boutonneux. Encadré par des salopards idéologiques. Ça existe partout. C'était donc pas voilà, ça. Claude Escolavide, je vous assure. Donc on va s'échanger le texte, mais alors d'accord. Là, quel que soit. Quel que soit alors je vous dis. Je voulais vous dire je on dis, en parlera la prochaine fois. Je vous dis. Que ces ados ont quand même tué. Aux États-Unis, ils ont tué la Ligue de défense juive. Mais qu'en France, ils ont voulu tuer un commissaire de police. Je pense que la Ligue de défense juive, je pense que la Ligue de défense juive doit être dissoute en France. Je pense que la Ligue de défense juive est interdite aux États-Unis. Je pense que le parti de Kahana a été interdit en Israël, ce qui a pris parfois l'Israélien de bon réflexe, et que cette organisation me pose énormément de problèmes.